d'accepter de changer. Oui, oui, j'ai de comprendre la responsabilité. Les membres de son conseil d'administration et les auteurs adhérents certes de la PAC, mais aussi pour la bonne moitié d'entre eux et dans leur parcours personnel, d'autres associations lorraines que bien évidemment ils représentent tout autant par leur présence. Grand honneur donc que cette première édition du livre en hiver dans le cadre prestigieux des grands salons d'hôtel de ville de Metz. Nous renouvelons donc tous nos remerciements à la ville de Metz et plus particulièrement à M. Antoine Fonté, adjoint aux affaires culturelles, d'avoir su prendre la mesure de la réalité de ce vivier d'auteurs, majoritairement lorrain, dans toute sa spécificité au sein du milieu littéraire, tant régional que national. Elle s'est donnée dès sa création la mission essentielle de promouvoir l'œuvre littéraire sous toutes ses formes, pour que, entre autres, chaque plume y trouve sa place. Ce qui est un combat solidaire de chaque instant, quand il s'agit de permettre à tout auteur, ni élu, ni porté par une grande maison d'édition, de rencontrer le public et diffuser bien évidemment ses ouvrages. Je n'oublierai pas enfin de remercier bien évidemment notre parrain et invité d'honneur, M. Pierre Allot, pour avoir répondu positivement et sans hésiter à notre invitation. Je le remercie pour son soutien acquis à notre militantisme, je crois, et je le remercie de toute sa disponibilité offerte et aussi de son amitié, Joseph Sartre. Merci à vous.